Alors, on a fait quoi là? On est à Buckingham Palace. Ah oui. C'est parti pour la troisième journée à Londres. Il est environ 9h30 et on quitte la maison de Johan pour aller voir la reine. Ce matin, on va à Westminster. Max, comme il connaît pas, je me suis dit ça lui ferait plaisir d'aller voir la reine. Donc, let's go to Buckingham Palace et on prend le métro cette fois-ci. Sur tatouage. On est arrivé à Buckingham Palace et on a eu trop de chance parce que quand on est arrivé, il y avait un attroupement de personnes qui se dirigeaient vers les grilles. C'était blindé, c'était un truc de fou. Donc on s'est dit, oulala, il va se passer quelque chose. Et à côté de nous, il y avait des Français. Du coup, on leur a demandé et ils nous ont dit qu'ils savaient pas, qu'il se passe toujours des trucs mais qu'on ne sait pas à l'avance. Et en fait, bah, c'était juste la relève de la garde. On a vu les chevaux. Et après, ils ont joué un peu dans la cour du palais, trompette, tiens, ça y est, ça recommence. Et du coup, c'était trop sympa parce que normalement, il faut attendre une plombe avant de les voir arriver. Et nous, on est arrivés, on a attendu genre 2 minutes et ils sont arrivés, donc nickel. J'ai dit 3 fois le mot arriver en une phrase, c'est pas un problème. Du coup, bah là, ils continuent de jouer, mais on était trop agglutinés, enfin, c'était... pas respirable du tout, donc on est parti. Et you can't breathe, yeah. So now, yes, we are going to St. James Park, and we try to see a mini écureuil, but we don't have any cacahuètes. Mais on va essayer de voir les écureuils, ils sont trop chou. Allez, on y va. Ah oui, et puis c'est pas comme si j'avais fait 15 fiches. Je ne retrouve pas. Hein? Je ne retrouve pas le Buckingham Palace, vous voyez. Si, c'est les, c'est là où c'est écrit en bleu. Attends. Il y en a d'autres? Oui. Ils sont là. Voilà. Tiens. Ah non, mais j'ai pas le fluo. Si, j'ai le fluo. Attends, mais je suis équipée. C'est la relève de la garde, non? Si, voilà, c'est ça. Oui, la nana qui dit qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est tout le temps. Hein. Je sais pas, il faudrait qu'on se renseigne pour pas dire de bêtises. Check. Yeah. And. Non, c'est Hyde Park. Oui, mais ils sont partout. Et à St. James Park, voilà. Ça, c'est nombreux petits écureuils. Allez, on va tenter de les voir. Let's go. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Ça y est, nous voilà dans St. James Park. Et on est dégoûté parce qu'on n'a pas vu d'écureuil. Je suis trop deg. À chaque fois que je vois des photos sur Londres, je vois tout le monde qui trouve des écureuils, qui leur donne à manger et tout, et nous on n'en trouve même pas un. D'ailleurs, pour votre petite information, écureuil se dit squirrel. Squirrel. We don't find squirrel. Du coup, on va se rattraper sur la bouffe. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme canard? Ils sont trop contents les canards ici, ou les pigeons. Sauf que bon, ça on en a en France. Tais-toi, je parle! On va aller voir si le resto est pas trop cher pour qu'on puisse manger. Ça y est, on a trouvé à manger. Un petit paquet de chips à une livre. £1.15 et 2 sandwichs à £4. Ouais. Et un petit cupcake! Muffin. Muffin, pardon. Chocolat.
framboise, fruits rouges, je sais plus trop. Bon app. Bon app. I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey baby. Nous sommes sur un autre lieu de tournage du film Harry Potter, puisqu'il s'agit de l'entrée au ministère de la magie. Vous savez, quand Harry il rentre dans la cabine téléphonique, eh ben, elle n'existe pas. Je l'avais lu sur internet. Mais son emplacement, lui, il existe, puisqu'il se trouve au croisement de Scotland Place et de Great Scotland Yard. And we don't mind all the watching. Hi, cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. We are in Trafalgar Square. Do you like it? Very, 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 very. Very? Very, 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 very. Bon, c'est dommage qu'il y ait un peu de travaux. Mais bon, ça, on peut pas le contrôler. She's so fine. Get a good look at it. Ooh, so thick. Now I know what it calls it, a fatty. And oh, shit, so sick. Got a hit and picked up a habit. But that's alright, cause you're all mine. Oh, go on, show 'em who you call daddy. I guess they're just not. Nous voilà de retour chez Johan. On a fini Londres. Il est 17h48 et autant vous dire qu'on est KO. On a fait que marcher depuis ce matin. On n'a plus de jambes. Ils font un bordel, les gars. Putain. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je sais plus où j'en étais, ce que je vous ai dit. On a fait Covent Garden après avoir mangé, puis ensuite on est allé à Oxford Street pour faire les boutiques. On est allé à Primark, Topshop, puis on a fait quelques autres boutiques. Et on était tellement KO qu'on a dit allez, on va rentrer. On a fini de faire un petit tour par Piccadilly Circus pour que Max y voie la petite place. Et après on a pris le métro et là on vient d'arriver chez Johan. Et ça ne marche plus. L'engin que j'ai acheté il y a 3 jours à la Fnac là, le stabilisateur, enfin le trépied pour appareil photo, ben il marche plus. Je sais pas, il n'y a rien qui est cassé, mais ce petit truc qui se met sous l'appareil photo et qui est clipsé juste ici, et ben il se clipse plus tout simplement. Donc voilà, je galère là, mon bras c'est une catastrophe, mais bon, tant pis, on a déjà fait plein de trucs, mais je suis trop deg. I heard your bitch, she got that water.